Bonjour, merci de porter votre choix sur le 10-11. Madame, Monsieur, bienvenue. Nous sommes avec un visage que vous connaissez déjà, mais il est important de rappeler son palmarès, 12 ans de carrière derrière ce jeune visage. Les choses vont commencer en 2002 au Bénin, dans son pays natal, avec la danseuse, en tant que danseuse de l'artiste Gisèle H. Ensuite, elle va rentrer en Côte d'Ivoire en 2005 et deux ans plus tard, 2007, elle va sortir son premier album du nom de Piqué Piqûre. Aujourd'hui, elle totalise un album et trois singles, parmi lesquels Déchiré Déchiré, Africa Unité et le Wachanga. Selika, bonjour. Bonjour, grand frère Mohamed Gabé. Merci d'avoir accepté l'invitation. 12 ans derrière ce jeune visage, de 2002 à 2014, ça fait 12 ans dans la pratique de l'art. Je veux dire, vous avez commencé danseuse. Aujourd'hui, vous êtes au micro. Les choses se présentent bien. Oui, bien sûr. Déjà en 2002, 2003, j'ai dansé pour une artiste béninoise. Et après, je me suis rendue au Ghana pour terminer mes études. Et en 2005, je suis rentrée à Abidjan. Vous avez fait quelle étude au Ghana? Les études de cours d'anglais, de pâtisserie, cuisine pâtisserie. Après ces cours intensifs d'anglais, vous allez revenir en Côte d'Ivoire en 2005 pour sortir votre première œuvre qui se baptise Piqué Piqûre. Oui, bien avant ça, en 2005, j'ai participé à plusieurs concours de musique, Boulon Show. Il y avait 20 artistes auxquels j'ai remporté. Voilà, j'étais la lauréate. Et après, concours de Miss Pobwe, auquel j'ai remporté. Et concours de chant et concours de danse Konomi, ça c'était à l'Afro Beach il y a longtemps. Et après en 2007, j'ai sorti mon premier album d'où l'arrangeur Freddy Asoba, mon album Piqué Piqûre, un album de 4 titres. Voilà. D'accord, très bien. Alors Piqué Piqûre, on n'en a pas beaucoup parlé, mais ce qui a attiré l'attention ici, c'est Déchiré, Déchiré. C'était en 2012. Vous étiez avec DJ 45. On passe ici un extrait de Déchiré, Déchiré. Bienvenue. Olympia, je me prends. Ok. Voici mon doco pour Baraborando. Les gars qui crevaient les chaînes dans les rires où les hommes voulaient aux animaux. C'est l'Ika. Tu bloques là-bas, tu reviens ici, tu prends le bloc. Tu bloques là-bas, tu. Chicha, chicha, mais moi. Abalá, se quer.
déchiré, déchiré. 2012, il y a deux ans de cela déjà, on est en 2014. Avec vous, on est habitué au double mot, hein. Piqué, piqûre, déchiré, déchiré. Bon, on va s'intéresser au dernier. C'était pour dire quoi, déchiré, déchiré? Déchiré, déchiré, là, je dis aux gens d'arrêter de critiquer et que les papatos, ils n'ont qu'à fermer un peu leur Bluetooth et de s'occuper de soi, voilà. C'est mieux de s'occuper de soi que de passer son temps à s'occuper de la vie des autres. Vous en avez souffert? Bon, juste un peu, hein, un peu, voilà. Un peu, vous chantez ça quand même? Bien sûr, bon, je ne suis pas la seule à être dans le cas. Il y a plusieurs personnes qui sont dans le même cas que moi, donc voilà. Et je pense que quand ils écoutent ça, ça leur fait plaisir d'entendre. Et on vous voit avec DJ... Ce sont des thèmes. Ok, on vous voit avec DJ 45. Bien sûr. La rencontre s'est faite comment? Vous l'avez rencontré ou on vous l'a proposé? On me l'a proposé. Mm-hmm. On me l'a proposé, j'étais en studio et DJ 45 est venu. Et il a commencé à bailler, donc ça m'a plu. Mm-hmm. Ça m'a plu, j'ai vu qu'il avait du talent. Je suis contente. Très bien. On va transiter par Aklan, qui est votre grande sœur, une grande chanteuse ivoirienne, Aklan, qui vous nous propose un titre qui certainement va attirer votre attention en ce jeudi. L'amour à sens unique est un chapelet de déception. Oh, une vie sans amour, c'est une vie sans soleil. Sanza misato ya bolingo mama e na kangi motema o na bakuya labu na tekin zoto na makani si onzawe o na kangi motema o na bakuya lolango na we na we yo oh mama na sanzi demo kili ho pona lamu tanzi nanga yo oh mama na sanzi demo kili ho pona lamu na lembi mobali ya bima tongo tena pourquoi. Sundo langayo oh baba ya sion libala papa ezali bongute tibo yo kanyo toka bolango sentiment asikapela tonton l'amour mon diallo le seul grand frère qui me reste. La mesure de l'amour c'est d'aimer sans mesure. Sanza misato ya bolingo mama e na kangi motema o na bakuya l'amour denisegi na tekin zoto na makani si onzawe o na kangi motema o na bakuya lolango na we na we yo oh mama na sanzi de mokili ho ho pona l'amour veronitiko tanzi nanga yo oh mama na sanzi de mokili ho ho pona l'amour na lembi mobali ya bima tongo tena pourquoi coup firme sundo langa yo oh baba ya sion l'amour est un cristal les olivos oh chérie, j'ai besoin de toi pour donner du vertige à mes rêves. Oh chérie, si ma pensée y a bonita chérie, Jacques Anoma, la zoé qui se mousse au bruit à bonito papa, Nixon, la vérité malade y a ma soucio, René, pour Saint-Avion. Baba Sentiment, c'est signé Aklan, notre invité Selika. Alors, on va
peut-être prendre l'œil du profane. Lorsqu'on vous voit sur la scène avec l'artiste et les musiciens, on se dit c'est le même métier, c'est la même chose. Alors vous êtes passé de danseuse à chanteuse. Est-ce que dans la pratique, ça, c'est sans difficulté? En tout en étant danseuse, c'est déjà facile parce que tu as la facilité d'aborder le public. Mmh. Voilà. Donc c'est déjà un atout. Mmh. Et tu attrapes le micro en tant que chanteuse. Mmh. Là, c'est... Ça fait deux boulots là. Là, tu danses, tu chantes en même temps, c'est pas facile. Les divas chantent la paix et la réconciliation. C'est un thème qui a été beaucoup chanté ici en Côte d'Ivoire. Vous pensez que les artistes ont pu avoir des actions sur l'élan de réconciliation et de paix? On a toujours besoin de sensibilisation. C'est important même pour des artistes de chanter pour la paix et pour l'union. D'accord. C'est très important parce que ça nous unit et déjà et avec la crise. Qui a eu lieu en Côte d'Ivoire, c'est important pour nous artistes, c'est notre devoir d'aborder ces genres de thèmes-là dans nos chansons pour emmener le pays ou la population à s'unir, à s'entendre, pour qu'il y ait plus d'amour. Voilà. Vous ne dites pas le contraire de ce que vous avez fait, parce que vous avez produit un titre « Africa Unité » et pour accentuer les choses, vous avez fait deux clips vidéo pour illustrer vos propos et aussi votre engagement pour la paix sur le continent africain. Les divas sont avec nous, elles chantent paix et réconciliation. Enfant africain, tu ne laisseras jamais ta mère, berceau de l'humanité, terre des burnirs et terre d'espoir. La paix, c'est l'indispensable. C'est le préalable à tout développement harmonieux de l'Afrique. Merci. Quelle que soit ta couleur, tes croyances.
chercher la paix et que nous devons la soigner comme la prunelle de nos yeux. Et nous savons que ce n'est pas facile. C'est aussi votre rêve et votre souhait de devenir une diva un jour. Bien sûr. Vous êtes sur la route. Oui, sur la route. Molo, molo. Et pour atteindre ça, qu'est-ce que vous faites? Il faut travailler dur. Mm-hmm. Il faut travailler dur. Il faut prendre son métier au sérieux, mm-hmm. voilà. Et aborder des thèmes très importants. Récemment, Arafat DJ était en interview sur une des chaînes de radio et depuis qu'il est de retour, il ne cesse de dire que le niveau du couplet décalé a baissé. Est-ce que vous partagez cette opinion-là? Bien sûr, ça a complètement baissé. Complètement baissé. Il faudrait que les gens du couplet décalé, les artistes du couplet décalé s'unissent et que nous soyons un. Mm-hmm. Qu'on arrête les clashs, les disputes. Voilà, ça ne sert à rien. Mm-hmm. Le problème, c'est de travailler et de donner de la valeur à ce que nous faisons. D'accord. C'est plus les histoires qui font que ça ne va pas ou est-ce qu'il s'agit de la qualité en général qui n'est pas bonne? Il y a les deux, hein. Mm-hmm. Les histoires et la qualité. Déjà, il faut arrêter de faire trop de bruit. Mm-hmm. Déjà, il y a Mola qui fait du bon coupé décalé, il y a Serge Beno, voilà. Mm-hmm. Ça, c'est du bon coupé décalé. Mais avec ce que les autres font, je pense qu'il faudrait que ça diminue un peu et qu'on essaie de mieux faire et mieux se concentrer et aller de l'avant. Votre coupé décalé est légèrement différent. C'est la musique métisse, un peu de dance, un peu de techno. Oui. Vous vous sentez concerné lorsqu'on dit par exemple que le niveau a baissé, vous vous sentez concerné? Bon, moi mon coupé décalé, comme vous l'avez dit, c'est vraiment différent. Mmh. C'est vrai qu'il y a un peu de mélange. Moi je fais un peu de mélange de tout. Il y a de la techno, du raga, et du azonto, du coupé décalé. C'est de la variété au fait. Donc moi, je fais un peu de mélange. C'est pourquoi je ne suis pas trop dans cette tendance-là. Et il y a aussi que je suis une bonne danseuse. Donc c'est pourquoi bon, ça m'arrange. Hein. Donc je danse tout, je fais tout. Donc j'ai pas de problème à ce niveau. Après Keren qui nous propose Prends mon cœur, on aura l'occasion de voir, sinon de revoir Africa Unité, un titre qui a été chanté par notre invité Celika, un titre qui appelle à l'unité des peuples et du continent africain, un titre qui a été soutenu par des clips vidéo. Keren, Prends mon cœur. Yeah.
Je veux marcher comme toi en mon cœur. Si tu prends mon cœur, Seigneur, je sais que je changerai. Je sais que je changerai. Oh, je le sais. Si tu prends mon cœur, Seigneur. R&B est un genre que vous appréciez. Lorsqu'on écoute vos compositions, on sent que vous n'êtes pas trop loin de ce genre musical-là. On se trompe si on dit ça? Non, pas du tout. Mais pourquoi vous n'avez pas opté pour, je veux dire, des titres spéciaux, R&B? Si, si, j'en ai un. Mais jamais en pointe. Bon, je n'ai dire... pas encore passé sur la RTI, mais ça passe sur les autres chaînes de télé. Africa Unity a été soutenue par deux clips vidéo. Lorsqu'on regarde, on se dit, bah, attention, pour le même titre, deux clips vidéo, est-ce que ce n'est pas une perte de temps, un gaspillage d'argent? Ou est-ce que pour vous, c'est pour accentuer le message, pour que même si on n'aime pas l'un des clips, on va aimer l'autre? C'est pour accentuer... que je dis, le message que je véhicule, voilà. Et il y a aussi qu'il y a d'autres qui aiment bien le moderne, la jeunesse. Donc il y a d'autres qui aiment le tradit, le tradit moderne. Donc c'est pourquoi j'ai fait deux clips, un tradit moderne et un moderne. Moderne pour la jeunesse et tradit moderne pour nos grands frères, nos papas, nos mamans, voilà, qui adorent beaucoup la tradition, voilà. Quand vous dites moderne, tradit moderne, c'est dans les costumes? Oui, les costumes. Les tenues? Les tenues. Sinon, voilà. Le titre reste le même? Oui. D'accord. Herman Boya est avec nous. Il s'agit d'un artiste que l'on vous propose aujourd'hui pour vous permettre d'enrichir votre catalogue et de passer du bon temps en notre compagnie sur le 10-11 de ce jeudi. Ceux qui m'écoutent se demandent parfois. Pourquoi de moi ne sortent que des textes rabat-joie, des sonorités mélancoliques et des vers mélodramatiques? Eh bien, laissez-moi vous dire pourquoi. En fait, c'est parce qu'il y a des tas de choses que je regrette. C'est vrai, j'ai oublié l'école de dimanche, mais je garde encore mes années ado, où je me plaquais en body sans manches qui me donnait cet air de macho. C'était l'âge des idoles. Partout dans ma chambre, des posters de Lady Gaga. De quoi me calmer les hormones, ou du moins les mettre sous contrôle. J'avais tout transformé en Golgotha. Pour mes propres parents, j'étais devenu une proie, un vrai Dracula. Je faisais ce que je voulais en toute inconscience. Et c'était ça mon adolescence. Une tranche d'âge que je regrette. Aujourd'hui où je me rends compte que j'avais le choix.
J'ai abordé la jeunesse comme un puma qui guette. Mes plus grands regrets commencent, car j'étais chrétien seulement les jours de fête. Je regrette d'avoir négligé la Bible. Je ne sais plus pourquoi Satan m'a pris pour cible, mais tout le monde que j'ai raté ma nouvelle naissance. Savez-vous que je n'ai jamais eu une vie de prière? Eh bien parce que depuis l'enfance, j'ai fait alliance avec la bière. Inutile de me parler de la foi. C'est moi-même qui ai interdit Saint-Esprit chez moi. Oh oui, je sais que c'est impoli, mais seulement tu vois, je ne veux plus vivre dans l'hypocrisie. Je regrette d'avoir livré Jésus-Christ au Sanhédrin. Et c'est parce que j'ai refusé de regarder le serpent des reins. Je regrette d'avoir déserté mon église. Et franchement, j'ai peur qu'un jour tout ça me détruise. Je regrette de n'avoir accordé mon respect qu'aux nantis. Je regrette mon manque de charité, l'argent était ma seule garantie. Je regrette d'avoir critiqué mes dirigeants, je me moquais des chrétiens zélés. Je regrette, ça me fait pleurer, je ne pourrais remonter le temps. Je regrette des tas de choses, je voudrais bien corriger. Je regrette d'avoir vendu mon droit d'aînesse. Je priais avec trois sœurs, je sortais avec ma nièce. Toute ma jeunesse, j'ai vécu dans la fornication. J'aspire au paradis et me voilà toujours un chrétien caméléon. Je regrette chaque minute de masturbation. Oh non, je suis impur. J'ai peur de la bataille de Armageddon. Je regrette d'avoir accusé ma mère de maplao. La liste est longue et j'ai honte. Désolé, je suis complètement KO. De toute ma vie chrétienne, je n'ai jamais fait un seul jour de jeûne. Je suis une coquille vide et Satan se fout de ma gueule. Je regrette de n'avoir jamais rien fait de mes propres mains. Je suis bardé de diplômes, de projets, mais c'est moi qui ai toujours faim. Je regrette d'avoir emprunté un raccourci pour être gradé. Le Dieu d'Abraham prenait son temps, alors moi, j'ai dû devenir pété. Je regrette, je suis membre d'une secte, d'un autre mystique. Je suis sorcier, initié, auteur de 10 morts tragiques. Je regrette de n'avoir jamais donné ma dîme. Je me rends au culte sans jamais prévoir l'offrande, parce que je suis avare jusqu'au dernier centime. Bien-aimé, telle est la vie chrétienne que j'ai toujours menée. Mais j'ai commencé à regretter le jour où je me suis posé une seule question. Si je mourrais dans cet état, serais-je digne du pardon de Christ? Je crois que non. C'est pourquoi, bien-aimé, je confesse tous les péchés ci-dessus énumérés. Et je voudrais tout de même que toi aussi, toi qui n'es pas vraiment différent de moi, devant ton Sauveur Jésus-Christ, tu fléchisses genoux. C'est l'heure de la confession et de la repentance. Il se nomme Herman Boya. Tous les jours, le catalogue s'agrandit et le monde musical s'enrichit de nouveaux visages et de nouveaux noms. Et aussi des compositions qui vous permettront de passer de très bonnes vacances ici en Côte d'Ivoire. Nous sommes avec Celika, artiste chanteuse. Elle commence en tant que danseuse en 2002 du côté du Bénin auprès de Gisèle H, qui est une artiste béninoise. En 2005, elle fait son entrée en Côte d'Ivoire. En 2007, elle sort son premier album du nom de Piqué Picure. Et depuis cette date, elle ne fait qu'enchaîner des singles et des maxi-singles qui fonctionnent. Alors, on va s'intéresser à cette régularité dans les sorties. Des œuvres sur vous. En 2012, vous lancez Déchirer, Déchirer, c'est ça. En 2013, vous lancez Africa Unité. 2014, Watianga. Chaque année, il y a du nouveau sur les terrains. Ça veut dire que les choses se passent pas mal. Bien sûr. Au fait, pourquoi je prends chaque année avant de sortir un album? Il faut laisser couler le son pour que les gens écoutent. Sache que ah, c'est toi qui as sorti ce morceau-là. Mm-hmm. Tu ne peux pas sortir un son chaque mois ou chaque deux mois. Bon, moi j'aime ce que je fais. Il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Mm-hmm. Bon, chacun sait pourquoi. Il sait pas. Chacun sait pourquoi il fait ça. Mm-hmm. Bon, moi, je sais ce que je fais. Mm-hmm. J'aime mon métier, j'aime ma carrière. Mm-hmm. Je le fais avec plein de sérieux. Mm-hmm. Donc, je ne suis pas là pour sortir des albums chaque deux mois. Mm-hmm. Je prends mon temps. Ça peut taper deux ans, ça peut taper trois ans. Mais je prends mon temps, je tape un an. Parce qu'il y a un travail qui est fait, il y a un budget qui a été mis sur place pour la promo. Mm-hmm. Donc, il ne faut pas se lever comme ça.
et puis sortir un album. Bon, à moins que la personne ait assez d'argent ou bien ça, bon, je sais pas. Franchement. Mais un an, c'est pas beaucoup aussi, hein? Un an, c'est pas beaucoup, mais c'est mieux que deux mois. Si, c'est mieux que deux mois. Moi, je trouve qu'un an, c'est encore mieux. Dans ces un an, tu as le temps de bien faire connaître le morceau. Par rapport à la promo, faut taper dur sur la promo. Mm-hmm. Voir certaines personnes pour t'aider à mieux franchir certaines portes. D'accord. Vous allez continuer comme ça chaque année à sortir des choses ou est-ce que par moment on va marquer une pause avant de lancer d'autres produits sur le terrain? Je veux dire, par exemple, en 2015, est-ce qu'il y aura de nouveau? Oui, bien sûr. Bien sûr, bientôt je rentre en studio et en 2015, il y aura un nouveau. Ah, mais c'est rapide. Et ça va s'appeler comment? Non, je préfère ne rien dire. Bien, bien. Sur le 10-11 du jour, nous avons Tony Kouad, un artiste ivoirien qui évolue en Europe. C'est un excellent danseur, un excellent chorégraphe, mais qui maîtrise aussi l'art de la chanson et aussi joue d'un instrument, la guitare. Tony Kouad est là avec Liberté, ça fait plaisir. Willy, Willy. À la survie de l'être, au fatal, qu'est nous l'homme au tcha, la substance vitale de ton âme. Willy, oh Willy, Willy, oh Willy, 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 en y'a fort liberté. Fidati, allié Moïdi, c'est la nourriture essentielle de l'être. Fidamon, Tikenzo et Moïdi. Non, la substance vitale de ton âme. Willy Badilou, Willy Badilou, Willy Badilou, stay strong for your right. Liberté, oh tigé, viens mon pan, viens mon pan, wapam, aïe kouye. Liberté, oh tigé, zoué mon tor, zoué mon tor. Belle orchestration qui parle au corps et à l'esprit. Tony Kouad est un artiste ivoirien qui fait le tour de pas mal de pays. Et lorsqu'il est en Côte d'Ivoire, c'est la discrétion assurée. Mais l'on souhaite l'avoir avec nous, un de ces quatre sur ce plateau. Alors, nous sommes avec Selika toujours. Wachanga, c'est le dernier concept que vous avez mis sur le terrain. Wachanga, c'est un nom qui sonne, c'est vrai. Lorsqu'on le prononce, ça ne passe pas inaperçu. Qu'est-ce qu'on veut dire dans Wachanga?
Wachanga, c'est une façon d'être en joie, dans la gaieté. C'est un style, c'est un concept, c'est une danse. Une danse. Alors, mais là on s'est décalé légèrement du coupé décalé. On a mis une autre dose de techno et de dance dedans. Juste changer un peu le tempo, voilà. Avoir ma propre marque, quoi, de musique, voilà. Une identité propre à vous. Une identité propre à moi, voilà. Et jusqu'ici, les échos sont comment? C'est hyper bien. Les gens apprécient, les gens, beaucoup de personnes ont apprécié, beaucoup de personnes ont aimé le clip, parce qu'il y a un travail qui a été fait. Voilà. Au niveau de la chorégraphie, les tenues vestimentaires, le son, l'entrée en studio avec Rico Amaj, tout s'est très bien passé. Ça a été une grande expérience pour moi, voilà. Et aujourd'hui, je ne regrette pas. Je regrette pas. Alors, nous, là, on le propose aux téléspectateurs. Certains l'ont déjà vu, d'autres vont le voir pour la première fois. Le clip Wachanga de Selika. Et juste après ça, on prend votre actualité, puisque vous dites qu'en 2015, il y aura de nouveau. On essaiera de tirer le maximum de vous. Peut-être, on aura peut-être le nom de ce single ou de ce maxi-single. Wachanga. Wachanga. Partout, partout, Abidjan, Cameroun au Sénégal. C'est toujours comme ça. Oh yeah, mon Dieu au contrôle. C'est lui qui est le chef. Move your body, everybody look at the city. Move your body, shake your soul, ride a dancing. Please move your body. Musulman. Et voilà ça maintenant. De la joie sur la cité, les examens sont en cours, les vacances pour bientôt, un titre qui sera très bon pour les vacances 2014 sur le territoire ivoirien et pourquoi pas dans le voisinage. Alors, il est l'heure de se dire au revoir, Selika. Alors, l'actualité
se présente comment? Est-ce qu'on va continuer avec Wachanga durant ses vacances jusqu'en fin d'année ou est-ce qu'on prépare autre chose qu'on va proposer aux fans, au public et aux téléspectateurs? Je suis toujours dans la promo avec Wachanga et pour le nouveau son, ça ne serait pas maintenant. Ça serait peut-être vers les fêtes de décembre, janvier. Là, je vais proposer ça aux enfants quand je serai à l'émission de Tonton Booba, Fitini Show. Fitini Show. Voilà. Donc, je suis déjà programmée pour ça. Donc, ça serait pour les fêtes de décembre. En fin d'année, de nouveau. Voilà. Uh-huh. Pour l'instant, c'est la promo de Wachanga à fond. Je suis à fond avec la promo de Wachanga. Très bien. On vous laisse avec vos fans. Vous leur laissez un message de fin avant de quitter ce plateau. Ok, je fais un gros bisou à tous mes fans. Je les remercie beaucoup pour leur soutien. C'est grâce à eux, hein. Celica aujourd'hui. C'est grâce à eux que j'avance. Et je les remercie beaucoup, beaucoup. Et merci à tous ceux qui m'apportent leur soutien. Et big up à ma famille et big up à tout le monde. Bisous. Merci beaucoup. Celica a été notre invité dans le cadre du 10-11 de ce jeudi. On répète pour vous son parcours 2002, danseuse au Bénin, 2005, rentrée en Côte d'Ivoire. Et à partir de 2007, les singles et les albums vont se succéder. Merci beaucoup. Top Clip Ivoire, il s'agit du genre tradi moderne. Depuis deux semaines, vous avez à départager les artistes qui sont proposés dans cet élément. Ezwanzima, Bemonio, Yejibuli, Yasube Miyango Hale, Mama Zue, Ezwanzima, Ilale Hambo, Ezwanzima, Nekambia Nwa, Ezwanzima, Ilale Hambo, Asuetiama, Bemonio, Nekambia Nwa, Yeblu Yewe Joko, Yilua Yilua Iko, Yenga Yue Joko, Uneshima Mekye Aho, Nzima Kotoko, Yemale Nye Miya.
Vous allez sur la page Facebook de l'émission, vous faites votre classement que vous posterez et une équipe travaille à faire le classement général. On a rendez-vous demain vendredi avec une autre tête à succès de notre musique ici sur le territoire ivoirien. Cette émission a été portée à l'antenne et réalisée par Dekao Jean Failou. Elle était avec une grande équipe de télévision. Les images ont été fixées successivement par M. Vao Richard, Soro Lidi et Bamba. On a rendez-vous demain à 10h sur la même chaîne. On se quitte avec Astigir. Le titre, c'est « Ablagada ». Au revoir, excellente journée. Tout le monde va lever la main. Tout le monde va lever la main. Tout le monde va lever la main.
blagada, jamais. A danser ma blagada, tu peux te voir d'abord danser à blagada. Danser à blagada, comme la Larissa Pongo. A tout de suite, y'a pas bougé. Tout le monde va danser. Le détail n'a pas bougé. Chamazon, coton, d'homme, m'a pas bougé.